L'impression 3D est une technique qui permet de passer rapidement d'une idée à un prototype et d'un prototype à un dispositif médical qui peut être distribué dans les hôpitaux de la PHP. Dans ce contexte de crise, nous avons mis en place à Port-Royal, avec l'Université de Paris, la PHP et le soutien financier de Kering, une structure composée de 60 imprimantes 3D professionnelles et des liens privilégiés avec l'institution et notamment avec les pharmaciens de l'AGEPS qui nous permet de dessiner des prototypes avec une équipe de 5 ingénieurs de la société Bone 3D disponible 24 heures sur 24, de produire ces prototypes, de les soumettre à validation clinique au sein du réseau de la PHP, puis validation pharmacologique à l'AGEPS, et puis après validation finale, de mettre ces produits à disposition de nos médecins. Nous avons produit déjà une vingtaine de différents dispositifs médicaux. Une bonne partie d'entre eux sont validés sur le plan pharmacologique et sont distribués. En chiffres, nous avons déjà imprimé depuis une petite semaine de fonctionnement environ 3000 dispositifs qui ont été dispatchés ou qui sont en cours de dispatching et nous comptons en produire à peu près entre 3 et 5 000 par semaine.